fallu qu'elle soit vraiment bonne. La jument aujourd'hui, on lui a mis la pression de bonheur. Ouais, Christophe Martens est venu même avant le kilomètre un peu, il nous a attaqué des lignes d'en face. Elle s'est montrée vraiment courageuse. On se sent vraiment fort avec elle quand on est devant. Ouais, non, elle aime ça et puis on est vraiment en sécurité. C'est une jument qui est très brave, elle se donne son cœur sur la piste. Si la course était prolongée, elle contrôlait vraiment les attaques? Ouais, non, elle repartait bien dans les 100 derniers mètres, elle ne perd de rien de ce qu'elle avait pris. Bébé, Vagabondu, super course. Ah oui, le cheval a fait une super valeur. Je savais pas trop où j'en étais, à la maison il me donnait entière satisfaction, mais bon, 2 mois et demi sans courir, j'avais laissé 3 semaines vraiment sans être attelé, rien du tout. Non, non, le cheval par rapport à des chevaux qui étaient affûtés, c'est plus que bien. Entre les droites, on y a même cru, hein. Ouais, bah après, on est tombé sur une fille d'amour qui est une super jument, voilà, qui nous est repartie un petit peu sous le nez, mais bon, on pourra peut-être prendre une revanche la prochaine fois. La prochaine fois, justement, est-ce que tu as une idée de son programme, attelé, monté? Est-ce qu'il y a justement des courses qui s'offrent à lui? Non, monté, pour l'instant, on va mettre une croix dessus. Le cheval, vraiment, a trouvé sa voie dans l'attelage. Tant qu'on arrive à trouver un bon programme à l'attelé, on va rester dessus. Maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas regardé. Je voulais voir aujourd'hui, par rapport à sa performance, c'est que j'en étais exactement. Donc, on va faire le programme tranquillement. Franck Cabalion, est-ce que pour finir avec les coups des franches, il aurait pu inquiéter la lauréate? Bah, disons que j'ai eu la place, mais j'étais obligé d'assurer, j'étais obligé de faire attention dans les allures, donc c'est pour ça que j'ai pas pu avancer. Mais bon, le cheval court bien, voilà, c'est encourageant. Est-ce qu'avant le coup, tu t'attendais à une bonne performance comme ça de sa part? Bah ouais, c'est quand même un bon cheval, et puis Franck Leblanc m'avait dit que son cheval était bien au travail, donc il s'attendait à une bonne prestation de sa part, et ça s'est bien passé. On a eu la bonne course en plus, et non, c'est bien pour l'avenir, je pense.